you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back. You say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand it. Alors, c'est une superbe petite caméra Action Cam 4K étanche avec une fonction Wi-Fi. Comme vous avez pu le constater, elle est étanche à 100%. Donc, le pack est composé de la caméra avec son boîtier 100% étanche et une première fixation. J'y reviendrai après. On a un chargeur secteur USB, bien pratique. Hein, on peut le voir, c'est quand même assez bien fourni en accessoires, c'est super complet. C'est pas livré qu'avec la caméra. Ici, on a vraiment tout un tas d'accessoires fournis dans le packaging et c'est vraiment, vraiment sympathique. Ça permet déjà de faire pas mal de choses sans investir d'argent supplémentaire, donc c'est très bien. L'ensemble est de bonne qualité, hein. De toute façon c'est assez universel, c'est des raccords et des extensions et tout ça, on peut s'en servir avec toutes les action cam du marché. C'est en plastique ABS noir et c'est d'excellente qualité. Donc rapidement on a une petite rallonge ici avec la molette de serrage. Voilà. On a un petit support pour les monopodes, les perches télescopiques. Voilà, on a même deux systèmes. C'est plutôt pratique pour les perches télescopiques. Super. On a une pince, une petite pince. Qui s'accroche à des sangles, un sac à dos. On a un cordon micro USB pour le transfert de données entre l'ordinateur et la caméra et pour le rechargement. C'est un câble qui est assez grand, qui doit faire un mètre. On a une deuxième rallonge avec sa vis de fixation. C'est de bonne qualité, hein. C'est des plastiques ABS vraiment résistants, solides, hein, qui tiendront dans le temps et aux manipulations. Voilà, on en a encore une ici, plus petite. Voilà, on a un deuxième boîtier ici. Celui-ci n'est pas étanche, il y a des trous dedans, ici le couvercle, hein, c'est troué ici. Voilà. On a un support guidon vélo, il suffit de dévisser ici et fixer ça sur,
sur son guidon de moto, sur son guidon de vélo et accrocher la caméra ici. On a une petite rallonge. Pareil, on fixe la caméra ici avec les clips. Bien pratique aussi. On a un support pour fixer la caméra sans le boîtier sur une perche ou un monopode. Voilà, il suffit de la clipser dedans sans le boîtier étanche. On a des sangles de serrage et de maintien. Voilà, alors là, c'est des sangles velcro, deux sangles nylon. On a des pads 3M, des pads autocollants en double face, 3M, pour fixer sur un carreau, sur un casque, pour fixer où vous voulez, hein, tout simplement. Et on a des petits riselants de serrage et un câble de sécurité. Par exemple, si la première attache lâche, on a ce câble-là qui permet de retenir la caméra, une seconde sécurité et un petit chiffon nettoyage. Et enfin, deux autres supports autocollants, voilà, ou avec un pas de vis pour celui-ci, voilà, pour clipser ici, hop, pour fixer la caméra. On a un manuel d'utilisation assez succinct, mais bon, en même temps, c'est pas très très compliqué de l'utiliser. Il doit y avoir 4 boutons en tout. Voilà. Le boîtier, les accessoires. La petite application ici à télécharger, elle est présente aussi sur le côté de la boîte. C'est une application qui permet d'avoir le Wi-Fi, donc il suffit de télécharger ça sur l'Android Market ou l'Apple Market, et en fait on peut contrôler la caméra via son smartphone ou un périphérique Android par exemple. Alors voilà la caméra. C'est une caméra 4K qui possède évidemment plusieurs résolutions d'enregistrement avec le codec H.264, codec de compression H.264. Voilà, donc elle est fournie avec un boîtier étanche, vraiment étanche, vous avez pu le voir dans la vidéo au début du commentaire. C'est très bien fini avec des matériaux de très bonne qualité et c'est très facile de l'utiliser, de l'ouvrir, de la fermer, de la connecter. Il y a une interface logicielle qui est bien étudiée, qui est bien finie, il n'y a aucun bug. En tout cas, j'en ai pas vu. Plusieurs langues disponibles, c'est vraiment très simple. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Hop, voilà. La petite caméra, vraiment toute petite, mais de très très bonne qualité. Donc le boîtier est en plastique ABS. Alors c'est doux au toucher, c'est résistant, c'est solide. Voilà, on a 4 boutons. On a le bouton on/off et pour basculer d'un mode à l'autre. Donc choisir le mode vidéo, choisir le mode photo, aller dans les paramètres, dans les réglages. Et puis choisir les différentes résolutions d'enregistrement, 1080p, 700p, etc. On a ici une petite batterie détachable. On a une petite batterie détachable d'une capacité de 900 mAh. Donc l'avantage qu'elle soit détachable, c'est qu'on peut en acheter plusieurs, comme ça on n'est jamais pris à court. Et ça permet de pouvoir filmer tranquillement sans être surpris par l'autonomie. Ça, c'est bien. Une petite batterie comme ça de supplémentaire coûte entre 5 et 7 euros. Donc, c'est pas un prix exorbitant et c'est vraiment pas mal.
de l'avoir fait détachable. On a ici le port de carte SD, voilà, extensible, donc c'est de la carte micro SD qui peut monter jusqu'à 64 gigas, donc 16, 32, 64 sans souci. On a un port micro USB ici pour le rechargement de la batterie et la connexion à l'ordinateur pour le transfert de données. Et on a un petit entrée HDMI, micro HDMI, pour pouvoir brancher l'appareil sur la télé et visionner ou les vidéos ou les photos depuis l'appareil sur son écran HD. Voilà les connectiques. On a 4 boutons donc, un bouton on-off, un bouton OK qui permet de valider les choix. Voilà. Et on a un bouton up, un bouton down. Ça c'est pour se balader à travers les menus. Voilà, tout simplement, ou pour pouvoir zoomer, dézoomer en vidéo ou en photo. La petite caméra permet de prendre des photos jusqu'à 16 mégapixels en résolution, donc ça fait 4640 pixels par 3480, en 12 mégapixels, en 8 mégapixels, en 5 mégapixels et en 2 mégapixels. Donc on choisit vraiment la résolution qu'on veut. Pour les résolutions vidéo, donc on a du 4K à 25 images par seconde, on a du 2,7K à 30 images par seconde, on a du 1920 par 1080p, donc en HD, en 60 images secondes, on a la même chose, donc le 1920 à 1080p en 30 images secondes. On a également le 720p à 120 images par seconde, donc ça c'est super pour les slow motion, c'est vraiment tip top. Et on peut descendre aussi à 720p 90 images secondes, 30 images secondes, etc. Donc il y a vraiment pas mal de résolutions, de choix de résolution, et c'est plutôt bien quand on a soit pas forcément des grosses cartes ou qu'on veut vraiment économiser l'espace de stockage, c'est vraiment un très très bon point. On a un superbe écran rétro-éclairé ici de 2 pouces, voilà, de diagonale. Il éclaire très très bien, je vais l'allumer. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, on a vraiment, il est vraiment très très bien éclairé. On voit, vous voyez, c'est super. Donc tout est réglable, on peut le laisser allumer, on peut l'éteindre, on fait ce qu'on veut à partir des paramètres. Hein. Mais en tout cas, l'éclairage de l'écran est vraiment très bien. Je ne m'attendais pas, c'est intense, c'est vraiment lumineux, clair et lumineux. Donc c'est vraiment super. Voilà, donc pour passer d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer ici. Pour passer du mode vidéo au mode photo, là on est à 16 mégapixels, voilà, 720p, ça c'est pour les slow motion, c'est paramétrable. Là c'est les prises qui ont déjà été faites, et encore une fois, on rentre dans les réglages. Donc si je rentre dans les réglages, j'ai tout un tas de réglages de l'appareil. Voilà, le son, la vidéo accélérée, les ralentis, voilà. Pareil pour la photo, pareil pour le Wi-Fi. Voilà, on peut choisir donc sa langue. Là, moi, c'est le français, mais on peut vraiment tout régler. Voilà, c'est vraiment très très clair, très simple à utiliser. L'interface est vraiment super. On a un angle, un degré de capture de 170 degrés en HD, donc 173 exactement. Donc c'est plutôt bien. Hein. Et là, le boîtier étanche, donc avec ses boutons. Le boîtier étanche donc avec ses boutons en alu ici, là, 4 boutons sont joints étanches tout le long ici. C'est vraiment, il est vraiment bien fini. C'est
crois que c'est l'accessoire le plus robuste. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment d'excellente qualité. On peut pas faire plus simple. Voilà. Je l'ai testé. Hein. Je l'ai mis dans l'eau. C'est 100% étanche, voire 200%. C'est vraiment un très très bon appareil. En tout cas, si vous hésitiez à l'acheter, parce que des fois on peut avoir peur, hein, quand vous regardez le prix, c'est quand même 3 voire 4 fois moins cher qu'une GoPro, hein, pour plus même pour certaines GoPro. Honnêtement, c'est un très très bon rapport qualité-prix. On a vraiment de la qualité. Alors, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter une GoPro à 300 ou 400 euros, alors que pour un budget limité et bien contenu, on a un appareil de si bonne qualité. C'est pas une chinoiserie, il n'y a pas de bug, ça marche très très bien. C'est vraiment un très très bon produit. Donc, si vous hésitiez à l'acheter, je disais, vous pouvez y aller sans souci. Il y a une garantie qui est appliquée, le vendeur est sérieux, c'est vraiment, ça vaut vraiment pas le coup de mettre plus, parce qu'on a quasiment la même chose ici. En résumé, on a une caméra d'excellente qualité avec beaucoup de résolutions d'enregistrement vidéo et plusieurs résolutions photo au choix. Une interface logicielle bien finie en plusieurs langues dont le français, facile à utiliser, très simple de paramétrage. On a une caméra d'excellente qualité, on a un pack d'accessoires vraiment complet, également d'excellente qualité. On a la fonction Wi-Fi, on a un boîtier étanche à 100%. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés, vous serez vraiment satisfait par cette action cam.